Le Tao qui peut être exprimé n'est pas le Tao éternel. Le nom qui peut être nommé n'est pas le nom éternel. L'indicible est l'éternellement réel. Nommé est l'origine de toute chose particulière. Libre du désir, tu comprends le mystère. Pris dans le désir, tu ne vois que les manifestations. Pourtant, mystère et manifestation jaillissent de la même source. Cette source s'appelle ténèbres. Ténèbres dans les ténèbres, la porte vers toute compréhension. Lorsque les gens voient certaines choses comme belles, d'autres deviennent laides. Lorsque les gens voient certaines choses comme bonnes, d'autres deviennent mauvaises. Être et non-être se créent l'un l'autre. Difficile et facile s'entretiennent l'un l'autre. Long et court se définissent l'un l'autre. Haut et bas dépendent l'un de l'autre. Avant et après se suivent l'un l'autre. Ainsi, le maître agit sans rien faire et enseigne sans rien dire. Les choses apparaissent et il les laisse venir. Les choses disparaissent et il les laisse partir. Il a mais ne possède pas, agit, mais n'attend rien. Son œuvre accomplie, il l'oublie. C'est pourquoi elle dure toujours. Si l'on surestime les grands hommes, les gens deviennent dépendants. Si l'on surévalue les biens matériels, les gens commencent à voler. Le maître dirige en vidant l'esprit des gens et en remplissant leur cœur, en affaiblissant leur ambition et en renforçant leur courage. Il aide chacun à perdre tout ce qu'il sait, tout ce qu'il désire, et crée la confusion chez ceux qui pensent savoir. Pratique le non-agir, et chaque chose prendra sa place. Le Tao est-elle un puits, sans cesse utilisé, mais jamais tari? Il est comme le vide éternel, empli d'infinies possibilités. Il est caché, mais toujours présent. Je ne sais qui lui a donné naissance. Il est plus ancien que Dieu. Le Tao ne prend pas parti. Il donne naissance au mal comme au bien. Le maître ne prend pas parti. Il accueille les pécheurs comme les saints. Le Tao est comme un soufflet. Il est vide, mais infiniment capable. Plus tu l'utilises, plus il est fécond. Plus tu en parles, moins tu le comprends. Reste ancré au centre.
Le Tao est appelé la grande mer, vide mais inépuisable. Il donne naissance à des mondes infinis. Il est toujours présent en toi. Tu peux l'utiliser comme bon te semble. Le Tao est infini, éternel. Pourquoi est-il éternel? Il n'est jamais né, ainsi ne peut-il jamais mourir. Pourquoi est-il infini? Il n'a pas de désir pour lui-même, ainsi est-il présent pour tous les êtres. Le Maître reste en retrait. C'est pourquoi il est en avance. Il est détaché de toute chose. C'est pourquoi il est un avec elle. Parce qu'il s'est libéré de lui-même, il est parfaitement accompli. Le bien suprême est comme l'eau qui nourrit toute chose sans en avoir l'intention. Elle se contente des places inférieures que les autres dédaignent. Ainsi, elle est comme le Tao. En ta demeure, vis près du sol. En pensée, reste simple. En conflit, sois juste et généreux. En gouvernant, n'essaie pas de contrôler. En travaillant, fais ce que tu aimes. En famille, sois pleinement présent. Lorsque tu te satisfais d'être simplement toi-même et ne te compares ni ne te mets en compétition, tout le monde te respecte. Emplis ton bol à ras-bord et il débordera. Aiguise ton couteau sans relâche et il s'émoussera. Cours après l'argent et la sécurité et ton cœur ne s'apaisera jamais. Soucie-toi de l'approbation des gens et tu seras leur prisonnier. Fais ton travail puis retire-toi. La seule voie vers la sérénité. Peux-tu détourner ton esprit de ses errances et rester dans l'unicité originelle? Peux-tu laisser ton corps devenir souple comme celui d'un nouveau-né? Peux-tu purifier ta vision intime jusqu'à ne rien voir d'autre que la lumière? Peux-tu aimer les gens et les diriger sans leur imposer ta volonté? Peux-tu gérer les affaires les plus vitales en laissant les événements suivre leur cours? Peux-tu te distancier de ton propre esprit et ainsi comprendre toute chose? Donner naissance et nourrir, avoir sans posséder, agir sans rien attendre, diriger sans tenter de contrôler. Ceci est la suprême vertu. Nous joignons des rayons pour en faire une roue, mais c'est le vide du moyeu qui permet au chariot d'avancer. Nous
modelons de l'argile pour en faire un vase, mais c'est le vide au-dedans qui retient ce que nous y versons. Nous clouons du bois pour en faire une maison, mais c'est l'espace intérieur qui la rend habitable. Nous travaillons avec l'être, mais c'est du non-être dont nous avons l'usage. Les couleurs aveuglent l'œil, les sons assourdissent l'oreille, les saveurs engourdissent le palais, les pensées affaiblissent l'esprit, les désirs fanent le cœur. Le maître observe le monde, mais fait confiance à sa vision intérieure. Il laisse les choses aller et venir. Son cœur est ouvert comme le ciel. Le succès est aussi dangereux que l'échec. L'espoir est aussi vain que la peur. Que signifie le succès est aussi dangereux que l'échec? Que tu montes ou descendes l'échelle, ta position est instable. Lorsque tu as les deux pieds sur le sol, tu gardes toujours ton équilibre. Que signifie l'espoir est aussi vain que la peur? Espoir et peur sont des fantômes qui naissent de la préoccupation de soi. Quand nous ne voyons pas le soi comme soi, qu'avons-nous à craindre? Voir le monde comme toi-même, fais confiance à la vie telle qu'elle est. Aime le monde comme toi-même, alors tu pourras prendre soin de toute chose. Regarde, et tu ne peux le voir. Écoute, et tu ne peux l'entendre. Tends la main, et tu ne peux le saisir. En haut, il n'est pas lumineux. En bas, il n'est pas sombre. Complet, indicible, il retourne au royaume du rien. Forme qui comprend toute forme, image sans aucune image, subtile au-delà de toute conception. Approche-le et il n'est pas de début, suis-le et il n'est pas de fin. Tu ne peux le connaître, mais tu peux l'être, sans effort, dans ta propre vie. Comprends simplement d'où tu viens. Ceci est l'essence de la sagesse. Les anciens maîtres étaient profonds et subtils. Leur sagesse était insondable. Il est impossible de la décrire. Tout ce que l'on peut décrire, c'est leur apparence. Ils étaient prudents, comme quelqu'un traversant un ruisseau gelé. Alerte, comme un guerrier en territoire ennemi. Courtois, comme un invité. Fluide, comme la glace fondante. Modelable comme une pièce de bois brute, accueillant comme une vallée,
clair comme un verre d'eau. As-tu la patience d'attendre jusqu'à ce que ta boue se dépose et que l'eau soit claire? Peux-tu rester immobile jusqu'à ce que l'action juste survienne d'elle-même? Le maître ne recherche pas l'accomplissement, ne cherche en rien, n'attend en rien. Il est présent et peut accueillir toute chose. Vide ton esprit de toute pensée. Laisse ton cœur être en paix. Observe l'agitation des êtres, mais contemple leur retour. Chaque être distinct dans l'univers revient à la source commune. Revenir à la source, c'est la sérénité. Si tu ne prends pas conscience de la source, tu t'enfonces dans la confusion et la tristesse. Quand tu comprends d'où tu viens, tu deviens naturellement tolérant, désintéressé, amusé, bienveillant comme une grand-mère, digne comme un roi. Immergé dans la merveille du Tao, tu peux faire face à tout ce que la vie t'apporte. Et quand vient la mort, tu es prêt. Quand le maître gouverne, les gens ont à peine conscience qu'il existe. À défaut, le mieux est un dirigeant qu'on aime, puis encore un qu'on craint. Le pire est un dirigeant qu'on méprise. Si tu ne donnes pas de responsabilité aux gens, tu les rends irresponsables. Le maître ne parle pas, il agit. Quand son œuvre est achevée, les gens disent « Regarde, c'est nous qui l'avons fait, tout seul. » Quand le grand Tao est oublié, la bonté et la piété apparaissent. Quand l'intelligence du corps décline, l'ingéniosité et la connaissance se montrent. Quand il n'y a aucune paix dans la famille, la piété filiale commence. Quand le pays sombre dans le chaos, naît le patriotisme. Laisse tomber la sagesse et la sainteté, et les gens seront 100 fois plus heureux. Laisse tomber la moralité et la justice, et les gens feront ce qui est juste. Laisse tomber l'industrie et le profit, et il n'y aura pas de voleurs. Si ces 3 actions sont insuffisantes, reste simplement au centre du cercle et laisse toute chose suivre leur cours.
arrête de penser et finis-en avec tes problèmes. Quelle différence y a-t-il entre oui et non? Quelle différence y a-t-il entre succès et échec? Dois-tu estimer ce qu'estiment les autres? Éviter ce que les autres évitent? Ridicule. Les autres sont excités, comme s'ils étaient à la parade. Moi seul suis indifférent. Moi seul suis sans expression, comme un nouveau-né avant qu'il ne sache sourire. Les autres ont ce qu'ils veulent. Moi seul ne possède rien. Moi seul vais à la dérive, comme quelqu'un sans foyer. Je suis tel l'idiot. Mon esprit est si vide. Les autres sont lumineux. Moi seul suis sombre. Les autres sont vifs. Moi seul suis insipide. Les autres ont une raison d'être. Moi seul ne sais pas. Je dérive comme une vague sur l'océan. Je voyage sans but comme souffle le vent. Je suis différent des autres. Je bois au sein de la grande mer. Le maître conserve son esprit à jamais un avec le Tao. C'est ce qui lui confère son éclat. Le Tao est insaisissable. Comment son esprit peut-il être un avec lui? Parce que le maître ne s'attache pas aux idées. Le Tao est sombre et insondable. Comment peut-il le faire rayonner? Parce que le maître le laisse faire. Depuis bien avant que le temps et l'espace ne fussent, le Tao est. Il est au-delà du « est » et du « n'est pas ». Comment sais-je que cela est vrai? Je regarde en moi et je vois. Si tu veux être entier, laisse-toi être partiel. Si tu veux être droit, laisse-toi être tordu. Si tu veux être plein, laisse-toi être vide. Si tu veux renaître, laisse-toi mourir. Si tu veux que tout te soit offert, renonce à tout ce que tu as. Le maître, en demeurant dans le Tao, crée un exemple pour tous les êtres. Parce qu'il ne s'expose pas, les gens peuvent voir sa lumière. Parce qu'il n'a rien à prouver, les gens peuvent se fier à sa parole. Parce qu'il ne sait pas qui il est, les gens se reconnaissent en lui. Parce qu'il n'a aucun but, tout ce qu'il fait réussit. Quand les anciens maîtres disaient « Si tu veux que tout te soit offert, renonce à ce que tu as », ce n'était pas de vains mots. Seul, en étant vécu par le Tao, peux-tu être vraiment toi-même.
exprime-toi complètement, puis reste silencieux. Sois comme les forces de la nature. Quand ça souffle, il n'y a que le vent. Quand il pleut, il n'y a que la pluie. Quand les nuages passent, le soleil brille. Si tu t'ouvres au Tao, tu es un avec le Tao, et tu peux l'incarner pleinement. Si tu t'ouvres à la vision intime, tu es un avec la vision intime, et tu peux l'utiliser pleinement. Si tu t'ouvres à la perte, tu es un avec la perte, et tu peux l'accepter pleinement. Ouvre-toi au Tao, puis fais confiance à tes réponses naturelles, et tout prendra sa place. Celui qui se dresse sur la pointe des pieds n'est pas stable. Celui qui se précipite en avant ne va pas loin. Celui qui essaye de briller ternit sa propre lumière. Celui qui se définit ne peut savoir qui il est réellement. Celui qui exerce son pouvoir sur les autres se prive de son véritable pouvoir. Celui qui s'attache à son œuvre ne crée rien de durable. Si tu veux être en accord avec le Tao, fais simplement ton travail, puis lâche prise. Il y avait quelque chose de sans forme et de parfait avant que l'univers ne fût né. Serein, vide, solitaire, immuable, infini, éternellement présent. C'est la mère de l'univers. À défaut d'un meilleur nom, je l'appelle le Tao. Il s'écoule à travers toute chose, au dedans, au dehors, et revient à l'origine de toute chose. Le Tao est grand, l'univers est grand, la terre est grande, l'homme est grand. Ce sont les quatre grandes puissances. L'homme se règle sur la terre. La terre se règle sur l'univers. L'univers se règle sur le Tao. Le Tao ne se règle que sur lui-même. Le lourd est la racine du léger. L'immobile est la source de tout mouvement. Ainsi, le maître voyage tout le jour sans quitter sa demeure. Aussi splendides soient les vues, il reste sereinement en lui-même. Pourquoi le seigneur du pays devrait-il aller et venir comme un fou ? Si tu te laisses balloter de ci, de là, tu perds le contact avec la source. Si tu laisses l'agitation te gouverner, tu perds le contact avec qui tu es.
Un bon voyageur n'a pas de plan fixe et n'est pas tendu vers l'arrivée. Un bon artiste laisse son intuition le mener là où elle le souhaite. Un bon scientifique sait libérer des concepts et garde l'esprit ouvert à ce qui est. Ainsi, le maître est disponible pour tous et ne rejette personne. Il est prêt à tirer parti de toutes les situations et ne gâche rien. Cela s'appelle incarner la lumière. Qu'est-ce qu'un homme bon, sinon un exemple pour l'homme mauvais? Qu'est-ce qu'un homme mauvais, sinon une opportunité pour l'homme bon? Si tu ne comprends pas cela, tu te perdras, aussi intelligent sois-tu. C'est le grand secret. Connais le viril, mais tiens-t'en au féminin. Accueille le monde à bras ouverts. Si tu accueilles le monde, jamais le Tao ne te laissera et tu seras comme un petit enfant. Connais le blanc, mais tiens-t'en au noir. Sois un modèle pour le monde. Si tu es un modèle pour le monde, le Tao sera fort en toi et rien ne te sera impossible. Connais le personnel, mais tiens-t'en à l'impersonnel. Accepte le monde tel qu'il est. Si tu acceptes le monde, le Tao sera lumineux en toi et tu retourneras à ton être originel. Le monde est issu du vide, comme les ustensiles sont issus d'un bloc de bois. Le maître connaît les ustensiles, mais s'en tient au bloc. Ainsi peut-il utiliser toute chose. Souhaites-tu rendre le monde meilleur? Je ne pense pas que cela puisse se faire. Le monde est parfait. On ne peut le rendre meilleur. Si tu es négligent envers lui, tu le détruiras. Si tu le traites comme un objet, tu le perdras. Il y a un temps pour être devant, un temps pour être derrière. Un temps pour être en mouvement, un temps pour être au repos, un temps pour être vigoureux, un temps pour être épuisé, un temps pour être en sécurité, un temps pour être en danger. Le maître voit les choses comme elles sont, sans tenter de les contrôler. Il les laisse suivre leur cours et demeure au centre du cercle. Qui fait confiance au Tao pour gouverner les hommes, n'essaie pas de forcer les choses ou de défaire ses ennemis par la force des armes. À toute force, il y a une force opposée. La violence, même bien intentionnée, frappe toujours en retour. Le maître fait son travail, puis s'arrête. Il comprend que l'univers est à jamais hors de contrôle et qu'essayer de dominer les événements va contre le courant du Tao.
parce qu'il croit en lui-même, il n'essaie pas de convaincre les autres. Parce qu'il se satisfait de lui-même, il n'a pas besoin de l'approbation des autres. Parce qu'il s'accepte lui-même, le monde entier l'accepte.